style can't be duplicated or recycled. This chick is a sick individual. Bonsoir à tous, ça me fait super plaisir. Yes. C'est adorable. On m'a dit qu'il fallait chauffer le public, donc je vous ai préparé un petit échauffement. Détendez-vous, ça va bien se passer. Il va vous falloir un peu de mental par contre pour y arriver. Je me présente avant toute chose, je m'appelle Pépita et je suis coach sportif pour muscles du visage. D'accord, donc en plus d'être nombreux, ils sont tous débutants dans cette classe. Aucun problème, j'adore les challenges. Il faut savoir qu'avant d'être coach, j'étais déjà coach, mais pas vraiment pour les muscles, plutôt pour la graisse qu'il y a au-dessous. En fait, j'ai déjà eu suffisamment mal à perdre mes kilos à moi, je vais pas m'amuser à perdre ces désordres. Donc depuis, je me suis orientée vers une nouvelle discipline, le rire. Oui, rire est une activité physique. Tout simplement parce que quand on rit, on sollicite plusieurs muscles importants. Démonstration. Bah allez-y, faites-moi rire. Ok, laissez tomber, je vais me forcer. Ha, 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 ha. Voilà. Quand ce sera votre tour, attention, ne vous forcez pas, c'est hyper dangereux. Quand ce sera votre tour, vous pourrez constater que ce ne sont pas toujours les mêmes muscles qui sont en action en fonction de la voyelle de rire que vous allez choisir. Vous savez pas ce que c'est une voyelle, A, E, U, I, T, Y, vous tournez, vous choisissez. Toi, monsieur, par exemple, dis bien. Tu ris en haut. Je le sens. De toute façon, t'as une barre, t'as un rire de Père Noël. Donc, en haut, oh, oh, oh. Vous voyez, en haut, le muscle sollicité est ici. Oh, oh. Ok, oh, ok, oh, oh. Alors que si on rit en et, c'est complètement différent, c'est celui d'en dessous. Ok, ok. Oh, hey. Vous avez vu? Oh, hey. Oh, oh, oh. Hey. J'espère que personne ne rit en gros et. Les rires ambivoyelles, c'est hyper compliqué. En plus, c'est pas encore complètement accepté dans cette société. Je suis pas là pour faire un cours particulier. Enfin, voilà. Merci, c'est adorable. On s'en fout, on a du boulot. Alors, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de monde qui est en silence ce soir. Attends, là on en a un bon, je l'ai jamais entendu. Attends, j'ai envie de te laisser ma place. Vous avez vu, Paulette a choisi de rire en silence, elle sortira une note quand elle se sentira prête. On n'est pas là pour se faire mal, chacun son rythme, d'accord? Chacun sa route, chacun son chemin. Chacun son... Passe le message à ton voisin. Est-ce que vous savez combien on a de muscles dans le visage? Allez-y, tentez-le. 52. Pas du tout, j'en ai absolument aucune idée. Je pense que les gens ne sont pas là pour ça, on en connaît. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si un de ces muscles est froid, parce qu'on n'a pas suffisamment préparé à l'effort, qu'est-ce qui se passe? On se claque. On se claque du verbe claquage, on peut rester coincé. C'est hyper douloureux, donc soyez bien attentifs, on évitera les blessures. Dernière chose à savoir, avant de commencer. Sachez que plus le corps est chaud, plus les rires seront performants. Et plus les rires sont performants, plus le comédien sera chaud. Tiens. Je sens que vous êtes impatients à commencer cette activité. Alors on y va, c'est parti. Premièrement, on commence par le deuxièmement. Attention, je veux voir tout le monde avec le sourire. Tu m'allumes la salle, tu m'allumes. Allô, le petit personnel. Très bien, on y va, doucement. Tu forces trop, monsieur. On commence en douceur, on a dit. Et on tient. 3, 4 et 5 et 6. Tu prends, tu jettes, tu l'éteins. Super. Éteins-moi la lumière, ça le fait. Ils sont trop nombreux, jamais autant les d'elles. Éteins la lumière. Monte ton caleçon. Éteins la lumière. Attention.
pas superficielle. Est-ce que vous sentez comme ça chauffe au niveau des pommettes? C'est pour ça qu'on est là. Et croyez-moi, vous allez avoir des joues magnifiques. Plus belles que mes fesses. Et c'est pas pour autant que vous aurez une tête de cul. C'est pas parce que t'es à l'aise dans l'exercice que tu peux déjà te permettre de rire aux éclats. On n'en est pas encore là, on respecte les étapes, c'est hyper dangereux ce que tu fais. C'est pas une compétition de qui rira le premier, sinon on aurait joué à la barrichette. J'ai lâché ça. Le premier des deux qui rira passera au petit 3. Petit 3. Vous êtes disciplinés, c'est un. Alors, la ceinture abdominale. Je vous rassure, tout le monde en a une. Elle est peut-être cachée, mais elle est là. Cet exercice se pratique en binôme. Il vous faut donc un partenaire. Pour que ça fonctionne, vous allez tous prendre votre voisin d'extrême droite. Je vous dis direct, ça n'a aucun rapport avec le parti politique, même si cet exercice fait travailler les muscles du front. Restez focus, on a encore du boulot. C'est bon, tout le monde a trouvé son voisin d'extrême droite. Je sais qu'ils sont pleins, mais là, ce soir, il n'y en a qu'un. Alors, explication, vous prenez une grande inspiration, vous gainez, vous bloquez, vous tournez la tête vers votre voisin et vous expulsez l'air d'un coup sec. Vous allez voir, ça renforce la cohésion. Et la cohésion dans le sport, c'est hyper important. Cet exercice vous permet également d'évacuer stress et mauvaise haleine sur votre voisin. Vive le sport, vive la cohésion. Franchement, je suis super contente. Je trouvais que le niveau était un peu bas, mais là, vous m'avez surpris. Attention, c'est pas le moment de relâcher la pression, parce qu'on arrive à l'étape finale. C'était ça. Cette étape n'est pas un exercice comme les autres. C'est la concrétisation de vos efforts, du travail que vous avez fourni. Je vous préviens, j'ai pour habitude d'avoir 100% de réussite à ce test. Alors ne me décevez pas, j'ai une réputation à tenir. Dans le spectacle, vous n'avez que 3 missions à accomplir. Vous riez, vous applaudissez, vous criez. Pas compliqué. Dans cet exercice, chaque chiffre correspond à une action. 1, on rit, qu'on casse. 2, on applaudit. 3, on crie. Attention, vous êtes évalué sur la réactivité. Il y a des blagues qui vont très très vite. Je dis 1, trop tard. Sans savoir que vous avez pris du retard sur tout le spectacle. Alors, s'il y a un rire isolé, vous allez vous faire remarquer. Moi, je dis ça pour vous, vaut mieux rester focus. Évidemment, Paulette, suivante, douceur tranquille. Va pas te faire mal sur une blague que t'aurais pas compris. Non, parce que des fois, je sais ce que c'est. On est emporté par la foule qui s'élance et qui danse. J'adore Georges Brassens. Pareil pour le 2. Alors, regardez, on va faire un petit test. Si je vous fais ça, qu'est-ce qui se passe? Super! Super! On y va! On y va! Je tiens à préciser que c'est Giorgio qui a suivi. Tu as gagné un point. Voilà. Cet exercice n'est pas noté, mais ce point est à toi. On ne laisse, très bon réflexe de Giorgio, parce qu'on ne laisse jamais tomber un applaudissement. Attention, ça va arriver pendant le spectacle. Parfois, il y a des claques isolées. C'est ce qui se passe quand on a une blague qui ne monte pas à la même vitesse dans le cerveau de tout le monde. Peu importe si elle n'est pas encore arrivée chez vous. On y va, on y croit, on met l'énergie. Ok? Je préfère que ça soit clair. Bon, pareil pour le 3. Si qu'on veut tout attendre, quelqu'un s'est à crier. On le suit. On y va. J'allais demander s'il y avait un volontaire dans la salle. Je pense que Jimmy a pris les devants. Alors, on va faire la même chose. Tu peux allumer la salle. Jimmy, tu vas te mettre debout. Voilà, lève-toi mon petit chat. Tout le monde identifie Jimmy, s'il vous plaît. Voilà, vous êtes prêts à le suivre. On va mettre les mains en l'air, Jimmy. Et on y va, un petit cri en solitaire. Ouais! Super, n'en faites pas trop, gardez-en sous la corde vocale. Franchement, je suis super fière. C'est terminé. Vous êtes prêts. Il est temps pour moi de m'en aller. Toi aussi, tu manges. Dans quelques secondes, vous avez la solitaire. À vous!
planète commence à souffrir. N'abandonnez jamais. Vous allez devoir rester unis jusqu'au bout. Vous relevez ce défi. J'ai confiance en vous. Sachez qu'aucun de mes élèves n'a jamais voté pour quelqu'un d'autre que sa coach préférée.